Si tu n'as jamais pratiqué l'EFT, je te conseille de visionner d'abord ma vidéo EFT, explication de base et séance de préparation, en cliquant sur le i qui s'affiche en haut de l'écran. Cette vidéo te permettra de te familiariser avec cette technique. Une séance se déroule de la manière suivante. Tout d'abord, prévois une bouteille d'eau ainsi qu'une feuille et un stylo. Sur cette feuille, tu vas noter l'intensité de ton émotion. Attribue-lui une note sur une échelle de 0 à 10. L'idéal est de pratiquer les yeux fermés, mais tu peux si besoin garder les yeux ouverts pour visualiser les différents points de tapping que tu verras sur l'écran. Il s'agit de tapoter doucement les points énergétiques spécifiques précis avec le bout de l'index et du majeur, tout en répétant les phrases que je vais énoncer. Tu peux utiliser la main droite ou gauche et tapoter sur le côté droit ou gauche du corps et même changer de main en cours de séance, en fonction de ce qui te convient le mieux. Pratique entre 5 et 10 tapotements sur chaque point, mais sans les compter. Voici les différents points de tapping. Le point karaté, sur la tranche de la main. Le haut de la tête. Le début du sourcil, du côté du nez. Le coin de l'œil, sur l'os de l'orbite. Sous l'œil, sous le nez, sous la bouche, au creux du menton. Sous la clavicule, sous le bras, environ 10 cm sous l'aisselle et sous le sein. Une série complète s'appelle une ronde. Je vais te guider pas à pas. Je te dirai l'endroit où tapoter et des phrases que tu répéteras à haute voix ou bien dans ta tête. Si certains mots ne te parlent pas, tu peux les remplacer par des mots qui sont plus justes pour toi. Début de la séance. Point karaté. Même si je suis timide et que cela me bloque, je choisis de m'accepter et de m'aimer totalement tel que je suis. Point karaté. Même si je suis timide et que j'ai du mal à entrer en relation avec les autres, je choisis de m'accepter et de m'aimer totalement tel que je suis. Point karaté. Même si je suis timide, et que j'ai peur de ce que les autres pensent de moi, je choisis de m'accepter et de m'aimer totalement tel que je suis. Haut de la tête. Je suis tellement timide. Début du sourcil. Je ne me sens pas à la hauteur. Coin de l'œil. Je perds facilement mes moyens et je rougis. Sous l'œil. J'ai l'impression de ne pas être digne d'intérêt. Sous le nez. J'ai une mauvaise image de moi. Sous la bouche. Je n'arrive pas à entrer en contact avec les autres. Sous la clavicule. Je me sens tellement nulle. Sous le bras. Je n'arrive pas à trouver ma place.
Sous le sein. J'ai tellement peur d'être mal jugée. Haut de la tête. J'ai tellement peur d'être rejetée ou dénigrée. Début du sourcil. Je me sens mal en société. Coin de l'œil. Je n'ose pas m'exprimer. Sous l'œil. Et quand je me lance, je ne dis jamais ce qu'il faut. Sous le nez. J'ai besoin de lâcher ce blocage. Sous la bouche. Peut-être que je me juge bien plus durement que les autres ne me jugent. Sous la clavicule. Et si je choisissais de croire en mes capacités? Sous le bras. Et si j'essayais d'être moi-même? Sous le sein. Plutôt que de tenter d'être celle ou celui que je crois que les autres aimeraient que je sois. Haut de la tête. Peut-être qu'il y a un moyen pour moi de prendre confiance en moi. Début du sourcil. Et si c'était possible pour moi? Coin de l'œil. J'ai vraiment envie d'être à l'aise avec les autres. Sous l'œil. J'ai vraiment envie de trouver ma place. Sous le nez. J'ai vraiment envie de m'exprimer librement et facilement. Sous la bouche. Je pourrais même devenir sûre de moi. Sous la clavicule. Je souhaite que les autres m'apprécient et me respectent. Sous le bras. Il y a beaucoup de personnes timides qui ont réussi à dépasser leur blocage. Sous le sein. L'univers veut que je réussisse, même si je ne crois pas que je vais y arriver. Point karaté. Je me sens de mieux en mieux. Point karaté. Tout va de mieux en mieux pour moi, à tout point de vue. Inspire et expire doucement et profondément.
Bois un verre d'eau et reprends ta feuille. Prends le temps d'écouter ton ressenti. Compare avec la note que tu avais notée avant ce tapping. L'intensité de ton émotion a-t-elle changé? Inscris la nouvelle note que tu attribues à l'émotion travaillée lors de la séance. Il suffit ensuite de répéter cette vidéo autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que tu atteignes une note de 1 ou mieux encore 0. L'idéal étant pendant 21 jours consécutifs.